N'a pas salué secrétaire général des Nations Unies qui vient là, vient dans Los Palmas, je ne j'ai dit. Mais avant de commencer, nous avons demandé une minute de recueillement pour 110 frères nous actions nous mourir dans Los Palmas de maladie choléra et pour toutes les victimes choléra dans quatre coins pays. Merci. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, tout le haut état-major des Nations Unies qui sont là aujourd'hui, je vous remercie. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le ministre des Affaires sociales, madame la ministre de la Santé publique, madame la ministre des Droits humains, de la lutte contre la pauvreté extrême, madame Sandra Honoré, saluez-nous avec un pile respect. M'a salué tout un pile monde qui a aidé les peuples haïtiens pour le goumen contre maladie. T'as comme moi l'un là, dans l'hôpital universitaire de Mirebalais, saluez-vous. Jeudi, c'est un jour qui est important dans l'histoire du pays d'Haïti. Parce que jeudi 14 juillet, mené secrétaire général des Nations Unies en personne dans la section communale Los Palmas pour que les capables eh bien, rendre un hommage à l'effort qu'a fait pour gommer contre la choléra et tout pour les capables venir passer un moment, venir comprendre, venir parler avec la population qui souffre en pile. Et pour venir mettre ensemble avec nous, gouvernement, une stratégie pour que eh bien, campagne totale assainissement joigne support non seulement aux Nations Unies, mais tout reste partenaire international Haïti pour que nous joignent montant que nous besoin pour que nous gagnions bataille contre maladie choléra, tout bon vrai. Donc, je remercie le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Je remercie madame li, qui vini là, passer ce moment ça avec nous. Parce que présent ça après elle permettre de sensibiliser le monde entier sous nécessité pour que nous gagnions bataille ça. Et je remercie tout le secrétaire général des Nations Unies hein, du fait que le reconnaître responsabilité morale que les Nations Unies gagnent pour l'aider nous goumer contre choléra. Ça est important pour le peuple haïtien. C'est important pour le gouvernement haïtien. Lorsque nous sommes allés dans les Nations Unies, nous avons fait un discours sous tribune. D'un côté, nous avons demandé deux choses. Premier bar là, c'est reconnaissance morale là. Et deuxième bar là, c'est mettre une commission de haut niveau pour que tout le monde touche pour être pour que nous mettions tête nous ensemble pour nous jouer une solution et nous jouer un financement. Parce que avec le leadership ministère de la Santé publique, là, gagner un plan sous 10 ans qui mettait qui a coûté 2 milliards de dollars et un autre plan d'action qui est même sous 2 ans qui a coûté 400 millions de dollars pour capable eh bien fini avec la question de choléra dans le pays. Donc, nous avons besoin de support tout le monde. Et c'est pour ça tout que je vous dis à ma place, on appelle solennel à tout partenaire nous pour que nous travaillions ensemble avec le gouvernement haïtien, ensemble avec les Nations Unies, pour que nous ne pas abandonner les victimes de choléra, nous ne pas abandonner les peuples qui vivent dans de mauvaises conditions. Pour que nous ne pas oublier 8000 personnes qui mourent dans la question de choléra. Pour ne pas oublier 800000 personnes qui sont affectées de la question de choléra.